Retour sur le tour du lac de Mont-Salvan, en remontant par les gorges de la Jeugne. Superbe balade familiale. Ça faisait un moment que la pluie nous embêtait, nous empêchait de sortir. Alors quand elle s'est calmée et que le soleil nous a enfin rendu visite, nous en avons profité pour partir en exploration dans les gorges de la Jeugne. Les gorges de la Jeugne, bien que très touristiques, sont vraiment un endroit idyllique. Les petits sentiers, les petits ponts et même les petites cavernes nous offrent sans arrêt des spectacles exceptionnels et grandioses. Je ne parle même pas des petites cascades qui sont magiques. Quand on s'arrête quelques instants pour observer la nature, c'est impressionnant de voir la puissance de l'eau, de voir ce qu'elle a pu faire au fil des millénaires. Chaque paysage dans cette randonnée est unique et vraiment magique. Après avoir traversé les gorges de la Jeugne, nous voilà remontant vers le barrage de Mont-Salvan. Et voilà le lac de Mont-Salvan. Mais ne vous y trompez pas, bien que ce soit le tour du lac de Mont-Salvan, ce n'est en rien une promenade plate, et encore moins monotone. Nous voilà arrivés au Motelon, cette petite rivière d'une puissance extraordinaire. Après avoir quitté le Motelon, nous voilà au milieu des vaches, dans les champs, en direction de la chapelle. Nous voilà à présent descendant vers Charny. Pour enfin retrouver le lac. Et nous voilà sur le plus vieux barrage double voûtée européen. Il mesure 155 mètres de long pour 55 mètres de hauteur et est large de 22 mètres à sa base. On peut dire que cette promenade des gorges de la Jeugne et du lac de Mont-Salvan est une promenade incontournable de la région de la Gruyère.